feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Salut tout le monde, donc là on vient d'arriver à Moncofa et ce qui est bien d'avoir une petite voiture, c'est que tu peux la mettre de partout. Ah ouais, c'est cool. Et ça c'est top. On prend le parasol ou pas? Non, c'est pas la peine. Tu veux, ouais, pour toi, ouais. On reste pas longtemps de toute façon. Ouais, mais ça tape à cette heure-ci là. Ouais, bon vas-y. On prend nos petites chaises. Aussi. D'ailleurs, salut tout le monde! Parce que j'ai ouvert le vlog ce midi. Enfin vers 11h, j'étais en train de commencer à préparer le repas. On a mangé tôt aujourd'hui, on a mangé vers 11h45. Et puis, t'as faim là? Ouais. C'est vrai? Ouais. Oh, moi j'ai pas faim. Pas du tout. Parce que je suis dans la pastéria, je t'ai côté. Tu veux qu'on se mette là? Oh là là, regarde-moi cette eau. Ouais. Elle est magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, je ne sais plus. Bah je vous laisse alors, je ne sais plus. Regardez-moi l'eau. C'est bon, mission accomplie. Ça y est. Je portais le sac et je me disais il y a quelque chose de lourd et je vérifie et je vois qu'Ayoub a pris cette grosse pierre. Il est énorme le galet. Il est bien. Tu nous expliques s'il te plaît pourquoi t'as pris ça? On va le peindre. Non sérieux? Je rigole. Ah ok, j'allais dire le soleil il l'a tapé sur la tête. Hey, je te jure, je pensais, je me disais, mais attends, elle était pas aussi lourde tout à l'heure. Mais pourquoi tu l'as pris? On va mettre les planches dessus.
Bien joué. Ah ouais, j'avoue, pas mal. Tu poses tes plats dessus. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'avais pas pensé. Bref, donc là, ça y est, on a fait un petit tour d'une heure. Ça fait une heure qu'on était posé. On a joué au Uno, on a joué avec tous les galets de la plage, je crois. Et puis bah là, on va rentrer, on va prendre une petite douche tranquillement. On va se poser un petit peu et ce soir, on va faire un tour à Castellón, voilà. Bon, alors finalement, changement de programme. On va pas sortir parce que... on est un peu fatigué. En fait non, on n'est pas fatigué, mais on se dit que la semaine qui va arriver va être assez chargée, donc autant aujourd'hui rester tranquille à la maison et se reposer. Donc là, on est en train de se faire un goûter repas apéritif, en plus à You, parce que en fait non, il a fait des frites. Et je me suis dit que moi aussi j'en voulais un petit peu. Mais moi j'ai fait un truc un petit peu plus sucré, donc un café au lait froid avec des petits gâteaux Saint-Michel. Ayoub donc s'est fait des frites, mais je vais piquer dedans aussi. Et il a fait des toasts là qui sont au four à base de sauce tomate. Enfin la sauce de la dernière fois qu'il a fait pour les pâtes, il en restait un petit peu. Et au lieu de l'ajouter, bah, il les a mis sur du pain demi et avec de l'emmental ou de la mozzarella. Moi, je sais même pas si le fromage râpé. Ouais, bon, avec du fromage râpé. Et puis ce soir, Ayoub m'a dit, est-ce que tu veux que je te refasse tes pâtes? Donc ouais, ce soir, on va manger un petit peu plus tard, hein, dans la soirée, je pense vers 22h, 21h, des pâtes au kefta, sans la sauce, hein. T'embête pas. Non, non, en plus, on n'a pas pour faire la sauce. Ouais, ouais. S'il reste encore des... Si, si, il reste. Il reste quand même. Ah bon? Mmh. Déjà? Il reste que du piment. Ah ouais. C'est vrai. Donc voilà, la soirée, on va la terminer tranquillement ici. On va se reposer. Franchement, ce four est extraordinaire. En 2 minutes, il chauffe tout, tout. Je sais pas, ah si, la marque, vous la voyez, je crois. C'est la marque Beko. On l'avait acheté chez Leroy Merlin. Bricomar. Ouais, à Bricorama, vous pouvez sans doute le retrouver en France. Mais vraiment, j'aimerais trop avoir ce four-là à la maison. En France, cette marque, c'est une marque espagnole. Ah ouais? Ouais. Ah. Je pense qu'ils peuvent le trouver sur Cdiscount ou un truc comme ça, Amazon. D'accord, mais si vous êtes à la recherche d'un four, franchement celui-ci est extraordinaire. Ah, viens dans le balcon, il y a un petit air, il y a une... Tu préfères manger sur le balcon? Ah là, les petits toasts. On va se régaler un peu. C'est plus un goûter, mais c'est un repas là. Bah ouais, c'est ça que j'ai pensé. Honnêtement, moi je pense pas que je vais manger ce soir. Hein. C'est vrai? Ouais, je te jure, ça va me caler. Hein. Bon. Moi je vais pas manger ça, je vais manger juste les frites. Bon app. Bon app. Bon. Attendez, on va laisser passer la moto. Changement de programme, changement de décor. Finalement, on est sorti parce que bah, on s'est dit qu'on n'allait pas quand même rester toute la soirée à la maison et profiter justement du temps mort qu'on a pour profiter. Donc là, on est à Castellón. On voulait prendre quelques photos. On en a pris quelques-unes que je pense que je posterai sur Instagram prochainement. Mais en fait, il faisait pas très très... Enfin, il y avait pas énormément de lumière. Donc, bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, on va se promener tranquillement. On va sans doute boire un verre, t'as faim? Non, j'ai pas trop faim. Ouais, moi non plus, j'ai pas faim. Bon, en même temps, tout à l'heure, comme vous avez pu voir, on a bien mangé. Hein. Et donc là, on est... en fait au centre même de Castellón. Voilà à quoi ça ressemble, c'est très joli. Ça, on passe tout le temps devant, mais on s'est jamais on s'est jamais posé la question de ce que c'était. C'est un hôtel, non? C'est une mairie, c'est quoi? Bon bref, je sais pas. Nous venons de rentrer, il est 23h30. On a bu un petit verre tranquillement. Et là, peut-être qu'on va se faire cuire une pizza. Tu veux une pizza? Ouais. Ouais. Tout de suite là? Moi, je n'ai pas spécialement faim maintenant, mais le temps que je me démaquille. Comme ça. Ouais. Bah écoutez, je pense que il est temps d'arrêter ce vlog. Qui, ma foi, je pense, n'a pas été extrêmement long, mais voilà, ça fait partie de la journée d'aujourd'hui. J'avais pas spécialement de choses
à vous montrer, mais voilà, je vous ai quand même pris avec moi. D'ailleurs, je voulais juste vous dire un petit truc avant que je zappe. On a fait un nouveau Instagram avec Ayoub que je vous mettrai en barre d'infos. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil à cet Instagram et peut-être vous abonner au passage pour nous soutenir, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. En fait, ça fait un moment, n'est-ce pas Ayoub? Oui. Parce que ça fait presque un an, ouais, un an qu'on souhaitait faire. Ouais, ça fait grave longtemps qu'on souhaitait faire un Instagram pour notre société, parce que comme vous le savez, on a une société de chauffeurs privés. Et donc on s'était dit bah, que c'était le moment, on avait le temps de le faire ici. Donc hier on a fait un Instagram avec quelques photos pour le moment. On en a posté 3, donc c'est Ayoub et moi qui gérons cet Instagram. Voilà, c'est pour les sociétés mais aussi pour les particuliers. Donc on fait tout ce qui est mise à disposition, transfert aéroport-gare, location de voitures pour mariage avec ou sans chauffeur. On a pas mal de modèles de voitures voilà, à proposer à nos clients. Donc voilà, on s'était dit que bah, ce serait cool de faire un Instagram pour aussi promouvoir notre société de notre côté. Et voilà, donc si vous connaissez à l'avenir des personnes qui sont à la recherche de chauffeurs privés avec des véhicules haut de gamme, bah, n'hésitez pas à leur partager notre compte Instagram. Ou si même vous, vous êtes à la recherche d'un véhicule avec chauffeur ou non pour votre mariage, n'hésitez pas aussi, on fait pas mal de choses. Enfin bon, c'était juste pour vous dire ça avant que je zappe. Je vous mets le lien de l'Instagram, c'est Empire Driver. Voilà, donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Et puis bah moi, ça y est, je pense que je vais vous laisser. Je pense pas, je suis certaine. Je vais vous laisser, je vais partir me démaquiller parce que ce soir, je me suis un petit peu maquillée légèrement, mais... je me suis un peu maquillée, j'ai mis un peu de mascara, un petit coup de blush et un petit rouge à lèvres. Et ça fait un peu toute sa différence. Bref, j'espère vraiment que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et n'hésitez pas aussi bah, à vous abonner. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Ciao !